Salut petit ondiste! Sur une voiture, il y a des éléments qui, tant que ça marche, on n'y touche pas. Par exemple, le démarreur. Mais sais-tu que pour lancer le moteur, celui-ci consomme un courant de plus de 100 ampères? Imagine un peu l'incendie s'il y avait un court-circuit. Allez, jingle! Cette semaine, je refais l'entretien du démarreur de ma Honda CRX VTEC. Je l'avais déjà ouvert lors du déstockage de la voiture, mais à l'époque, je n'avais pas la bonne graisse. Aujourd'hui, je viens de recevoir un pot de graisse au bisulfure de molybdène. C'est une graisse bien noire qu'on utilise en particulier à l'intérieur des soufflets des arbres de roue, que les Béotiens appellent encore des cardans. Je vais donc changer cette graisse et en profiter pour redonner un petit coup de jeune à mon démarreur. Allez, c'est parti!
Le fonctionnement du démarreur est tout simple. Tu as un plus 12 volts, batterie, en attente sur cette cosse. Lorsque tu tournes la clé sur Start, tu alimentes ici le solénoïde.
Dans un premier temps, il va engrainer le pignon sur le volant moteur, puis il alimente le moteur électrique pour démarrer la voiture. Au relâchement de la clé, le solénoïde coupe l'alimentation du moteur électrique et le pignon se désengraine sous l'effet du ressort de rappel. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner afin de m'encourager à publier de nouvelles vidéos. Allez, kenavo!